commencer. Aussi est en partance pour la zone libre. Elle s'enfuit de Paris avec sa petite Myriam. 6 ans. S'étaient rencontrés à Radom, une petite ville de Pologne. Les parents d'Isaac avaient décidé de fuir Cracovie dès le début de la guerre et avaient espéré pouvoir se mettre à l'abri à quelques centaines de kilomètres. Comment papa avait-il été informé de cette opération qui consisterait à arrêter tous les juifs de Paris? Thank you.
Sébastien, comment vous est venue l'idée de ce spectacle ? Alors, l'idée de ce spectacle est née d'un dîner entre amis au début de cette année 2020, où on dînait avec les comédiens qui sont sur scène. Et Sébastien Horry me dit, mon professeur de théâtre a écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle « Nuit de juillet, la rafle du Veldiz » et j'aimerais te le faire parvenir pour que tu puisses le lire. Et c'est ce qu'il a fait. J'ai reçu quelques jours après ce livre. Je l'ai bien évidemment lu, étant passionné d'histoire et notamment de la Seconde Guerre mondiale. Donc je l'ai lu et j'ai spontanément proposé à Sébastien Horry de sortir de ce recueil de nouvelles cinq idées fortes pour en faire une pièce de théâtre dansée. Et c'est comme ça qu'est née une nuit d'été 1942, la rafle du Veldiv. En fait, Philippe Lipschitz, l'auteur du livre de base qui a servi au spectacle, a tout de suite donné son accord pour une libre adaptation. Et puis tout s'est enchaîné très vite. J'ai demandé à Thibaut Guillochet de faire la mise en scène. J'ai demandé au fils aîné de ma femme, qui est compositeur, de faire la musique du spectacle. Et tout s'est enchaîné encore une fois très rapidement. On a commencé à répéter au mois de juillet dernier, ici même, au théâtre de Mamers. On a peaufiné le spectacle début septembre au complexe Athéna de la Ferté-Bernard. Et on a donné la première représentation le 18 septembre dernier, ici même. Et face à la demande, on a renouvelé en rejouant ici aujourd'hui devant 150 spectateurs. Voilà un petit peu l'histoire de ce projet. C'est la première pièce que vous écrivez ? C'est la première pièce que j'écris. C'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis quelques années. J'avais jamais osé franchir le pas. Voilà, c'est le cas. J'ai envie de dire, je suis un homme heureux. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que la pièce est vraiment près de la réalité. Hein. Alors, près de la réalité, mais des destins absolument fictifs. Rien ne dit que les choses se soient passées comme ça dans cette nuit du 15 au 16 juillet 1942 qui a précédé la rafle du Veldiv. Voilà, j'ai effectivement lu beaucoup de choses sur cette rafle du Vélodrome d'hiver, donc des choses qui m'ont inspiré et qui ont forcément influencé ma façon d'écrire. La mise en scène est magnifique. La mise en scène est effectivement magnifique. Elle est l'œuvre de Thibaut Guillochet, qui est aussi comédien et, pour la petite histoire, président fondateur du festival Mamers en scène rencontre théâtrale. Et il a fait un boulot dense, intense et surtout superbe au service de mon texte et du jeu des comédiens.